Et voici le bike park de Cormaranche. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve à Cormaranche et on va se tester une petite bleue. Bon, je pense que ce sera la seule parce que vu la remontée qu'il y a, j'ai, comment dire, une flemme de remonter à pied. Allez, on va voir un peu ce que ça vaut. Petite double. Et une autre. Pas énormément de grippe. Ah, c'est bien gras quand même. Ah, c'est bien, dans les bois comme ça il fait bien frais. C'est super agréable. Yo! Yo! Ouais, les rochers ça glisse un peu là. J'ai les roues mouillées sa mère. Ah bah plutôt sympa jusqu'ici. Ah merde, j'ai loupé la trage. Ah, ça descend plus vite que pour remonter, hein, putain. Ouh. Bon, easy, putain. C'était sûr. Allez, bah, c'est parti pour le premier road gap de ma vie. Jamais fait jusqu'à présent. Après, j'ai déjà fait des sauts conséquents, entre guillemets, mais jamais de road gap. Qu'on va voir. Allez. On le sent. Allez.
Allez, lâche tout. Et ben voilà. Bon bah premier road gap et ça passe tout seul. Oh putain, je suis content. J'ai débranché et ça passe. Voilà pour le deuxième drop. En vrai, il est pas énorme. Hein. Il est pas énorme, énorme, mais bon. Quand même. Là, en plus, c'est gras. Et puis, comme je vous dis, c'est mon premier, donc déjà, je suis fier de moi. Allez, on continue jusqu'à la voiture. Le délire dans ce bike park qui est vraiment trop bien, c'est que c'est gratuit quoi. Gratuit, le seul point négatif, c'est quand t'as qu'un DH ou la selle remonte pas, t'es baisé. Si t'as pas de télescopique ici, tu en chies ta mère. Je viens de me taper l'allée là. Je pense que j'en ai eu pour 3/4 d'heure à peu près, sachant que je me suis garé tout en bas avec la BM. Parce que ça sert à rien de se garer en haut si après faut remonter pour repartir, ce serait bête. Donc ouais, franchement, bon délire que ce soit un bike park gratuit. Tu peux y aller quand tu veux. Mais l'idéal c'est quand même d'avoir soit une navette, soit une voiture, enfin quelqu'un qui vient te remonter en voiture quoi. Parce que sinon tu te fais vite 15 bornes de côte. Et bon, t'as quand même un peu de dénivelé. Surtout sur les derniers mètres, tu prends 300 mètres en 1,7 km. Donc ça commence à faire quoi. Ah, ça c'est sympa, les petits chemins comme ça. Un peu caillouteux, mais franchement super roulable. Ça c'est super agréable. En plus, le temps là aujourd'hui, ce qui est un peu moins drôle, c'est que ça glisse, mais ça va, ça passe toujours. Un délire. Un délire. On arrive à côté d'une église. Ok, ralentir. Je ralentis. Et nous voilà dans le bourg de Cormaranche. Allez, ciao.